Bienvenue dans la série « Jouer à GTA V quand t'es un enfant riche, volume 2 ». Comme la dernière fois, on va suivre les aventures de deux frères, Jason et Juju. C'est toujours Juju qui est tout seul parce que Jason n'est jamais là. Par contre, Francis, voilà, Francis, la nounou, lui, il est toujours là, lui, en forme, en pleine forme, un vrai athlète. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire cette fois-ci? On va voir. Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et vidéo tant attendue, l'épisode 2 de Être un enfant riche. Et aujourd'hui, encore une fois, nous sommes avec les deux acteurs de cette vidéo. La salle, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir. Jason, je veux dire Jason. Et tu sais que t'as rendu fou dans les commentaires avec ton Et du coup, nous sommes avec Nico, comment vas-tu? Bonsoir, ça va, merci. Et bah écoutez, moi ça va nickel. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche si c'est pas déjà fait, les gars. Voilà, je vais vous abonner en masse parce que la vidéo a plutôt bien marché, vous avez kiffé. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Voilà, on attend, vous activez la cloche, vous abonnez et ensuite on commence. Voilà, on attend. On attend. Bah c'est bon, je pense que c'est bon. Hé hey, Jason. Ouais, vas-y. J'ai mis du shampoing bizarre dans quoi? Attends, ne me dis pas que t'as mis du shampoing dans quoi? Attends, c'est trop génial, c'est cool, c'est super. Dans le shampoing de... Et dans le shampoing du nounou. Il s'appelle comment déjà? Comment il s'appelle en fait? Je me rappelle plus. Ouais, c'est son chauffeur, bah son boniche quoi, son sbire. Bah, qui c'est qui a mis de la merde dans mon shampoing, ça puce? Mais qu'est-ce que vous faites là, les enfants? Ouais, salut. Ouais, Francis, t'as mis du caca là sur le mur à côté des toilettes. Pourquoi mes cheveux ils sont de cette couleur? Ouais, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait une teinture? Mais ils sentent là. Mais oui, ça sent le. Ça sent le caca. Il me semble, hein. Ah, ça sent le caca. Ouais. Tu rigoles, toi. Ça sent le caca, pipi, popo. Ah, bah non, c'est moi. Eh, Juju, t'as fait quoi? J'ai rien fait, moi. Jason, t'as fait quoi? Bah rien, et toi? Francis, la tête. Ah, c'est vrai que ça pue, hein. Eh, je lave la tête. Attends, je vais te laver, vas-y, attends. Parce que caca, pour caca. Eh, Francis. Oui, quoi? Ah, ça pue. Aujourd'hui, nous, on veut faire un truc. Ouais, on fait quoi aujourd'hui? Parce que papa, il nous a commandé des Lamborghini cartes, parce qu'on n'a pas le droit de conduire de voiture et du coup, faut qu'on aille au concessionnaire. D'accord. Et ensuite, on va au parc d'attractions acheter une glace. Oui, c'est ça. Donc on va chez le concessionnaire et après on va au parc d'attractions acheter des glaces. Oui, c'est ça. Je répète pour que mon cerveau il comprenne bien parce que des fois il comprend pas. C'est trop marrant, Jason. Eh, Jason. Tu sais, c'est notre pote là, Julia, là, tu te rappelles? C'est qui elle? Bah, c'était une fille avec laquelle, mon frère, là, il jouait à touche pipi. Ah, d'accord, c'est super, intéressant. Ouais. Mettez vos ceintures, hein. Ceinture attachée. Hé, hey, Francis. Quoi? C'est vrai que tu peux la pisse? Vous voulez aller au concessionnaire, c'est ça? Ouais. C'est en ville. Au cas où t'aurais oublié, hein, je sais pas, je te le dis. Tu fais ce que tu veux, hein. Si t'as envie d'y aller, tu vas, t'as envie, tu vas pas. C'est toi l'adulte, hein, nous on n'est pas des adultes. Francis, on voulait savoir un truc avec Jason. Oui, quoi? On voulait savoir pourquoi les gens ils disent frérot, frère, alors qu'ils sont pas frères, alors que moi c'est mon frère et Jason. Et à l'école ils disent frère et frérot, et on comprend pas. Déjà, premièrement, tu vas arrêter de m'appeler Jason. D'accord? Parce que j'aime Jason, pas trop ça. Pardon. Donc déjà, tu vas m'appeler Jason. Ok? Comme dans le film avec Jean-Claude Van Damme. Jason. En fait, je voulais me rendre intéressant et montrer que j'avais de la culture, et voilà. C'est tout. C'est vrai, ça. Vous êtes en forme aujourd'hui. Moi, à chaque fois que j'ai faim, je suis en forme. Ça me... Comment dire? Ça m'excite. Voilà. Peut-être que c'est le manque de... À droite, de Jason. Protéines. Voilà, on est arrivé, Jason. C'est quoi cet accent mexicain? On n'a pas la même mère ou quoi? Eh, hey, Francis, tu peux aller voir la concession, le patron, normalement, il nous les a livrés, il nous a dit qu'il fallait passer. Ouais, j'y vais, ouais. Hé, hey Francis! Hé! Hey. Quoi? Hey Francis, tu savais qu'avec mon frère, on n'a pas la même mère et on n'a pas le même père? On est des demi-frères. C'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes cheveux. Bah oui, d'accord. C'est mon demi-frère, c'est pas mon vrai frère. D'accord. Eh ben c'est en génial. Gros, en gros, la moitié en haut, c'est mon frère et la moitié en bas, bah, c'est pas mon frère. Voilà. C'est ta sœur en bas. On est ça. Voilà, ouais, il a un petit zizi, donc en bas, c'est ma sœur et en haut, c'est mon frère. Je comprends mieux. Bah oui, hein, c'est logique. Quoi. Tu vas nous chercher des voitures? Oui, c'est bon. Normalement, il y en a une pour toi aussi. Hein. Ramène des pissenlits aussi. Toi, t'avais commandé une quelle couleur déjà? Ça, je me rappelle plus. Jaune. Et moi, j'avais commandé une verte, mais tout le monde s'en fout. C'est vrai, ça, on s'en fout. Vert comme Shrek. Il ressemble à Shrek. Hey, Francis, c'est bon? Bah oui, ça y est, elles sont là. Bah pourquoi il y en a trois?
Bah, on t'a fait une surprise. Surprise, motherfucker. Oui, mais c'est pour les enfants, ça. Bah, oui. Ah oui, non, celle-là, elle a un plus gros siège, oui, effectivement. Ça peut supporter jusqu'à 150 kilos. T'as fait combien, toi? Ah bah, c'est bon, large. Oh, je fais 65. En fait, t'as que de l'air à l'intérieur. Si je comprends bien, parce que 65... Bah, tu sais, la dernière fois qu'on l'a frappé dans le ventre, je trouve, t'as pas remarqué, ça faisait des trucs? Même moi, oui, je ça s'appelle des baies. Moi, je prends la jaune, hein. Toi, tu voulais la jaune ou tu voulais la rouge? Moi, je voulais la jauge. Non, je prends la jaune. Hein. La jaune. La jaune. Bon, bah, je prends la... Je sais même pas quelle couleur elle est. Ouais, ouais, c'est mal au dos là-dedans. Les gars, le premier arrivé à la fête foraine. À la fête foraine, ok. Le premier arrivé. 3, 2, 1, go! Il a gagné. Et doucement, hein, respectez les limitations de vitesse. Mais il va trop vite le véhicule, dis donc. Wouah, c'est stylé, c'est comme au karting, mais c'est non beau. Attendez-moi! On peut pas se mettre un boost là, y'a rien là, c'est quoi ça? Les garçons! C'est quoi ce. Eh ben, dis donc. Bah, papa, il a dit que normalement. On va le ramener au PDM pour le... Enfin, le... Voilà, là, le truc, là, le mécano. Je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. Il a pas eu le temps de prendre le rendez-vous. Je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. Waouh. Eh, tu penses qu'on peut mettre de l'essence ou pas, ou du gasoil dedans? À mon avis, on met du... comment ça s'appelle, là? Tu sais, le truc, là, du platane. Par contre, je crois qu'on a perdu Francis. Francis! Oui, je vous entends sur la radio, mais j'ai beaucoup de mal à conduire cette petite... véhicule. Oh, j'avale un oiseau. Si demain tu chies un oiseau chez toi, ça va chier pour moi. J'ai raison. Par contre, on l'a perdu, je crois. Il est où? Mais j'arrive. On est arrivé. Et tu sais quoi, mon rêve, Jason? C'est qu'on ait le même... C'est qu'on achète un parc d'attraction, mais que pour nous deux. Oh là là, il y a du monde, j'aime pas quand il y a du monde. Attendez, parlez pas aux inconnus. Ici, je pense que c'est pour les cartes. C'est bon, on est arrivé. Tu veux faire quoi comme jeu jouer aujourd'hui? Comme attraction? Ça va, Jason? Eh, Francis, je crois que Jason, il est malade. J'arrive, parlez pas des inconnus, hein. Eh, mais Francis, tu sais, il a du mal avec les voitures. Wow. Vas-y. Il est où l'autre? Attention. Eh, qu'est-ce que tu fais? Jason. Arrête, Jason. Non, Jason. Jason. Il s'est passé quoi, Juju? Non, rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Jason, il est un petit peu malade, quoi. Vous êtes où? On arrive au parc d'attraction, là. T'es où, toi? Mais j'y suis au parc d'attraction. Ah bah, on arrive. Francis? Ouais, vous étiez où, là? Mais on t'a acheté une voiture, tu viens déjà... Mais regarde! Mais parce que j'ai eu un petit accrochage avec un camion, j'ai risqué ma vie, moi. Oh. Non, regarde Jason ce qu'il a fait. Viens sur nous, cours, Francis, viens. Allez, vas-y, on va lui montrer notre zizi, et ce sera bon. Ouais, je suis crevé, moi, doucement. Il est fatigué, Albert. Vas-y, non, viens sur la poubelle. Va sur la poubelle, ici. Je sais pas si j'arriverai à monter. Mais si, t'inquiète, on va t'aider. Vas-y, viens, Jason. Wow. Je sais pas si on a le droit de faire ça, hein. J'ai volé ça à papa, je sais pas c'est quoi j'ai trouvé dans son labo au secret. Oh mais attends, mais moi je crois savoir ce que c'est ça. T'es sûr que ça appartient pas plutôt à ta mère? Non. J'ai la forme. Non, t'inquiète. Si, c'est vrai, si, je l'avais vu. C'est vrai. Elle le mettait près de ses fesses, et je sais pas, elle faisait des cris. Il me semble. Écarte-toi, Jason. Oh, mais papa, il ne me dise pas avec la banane de ta mère. Est-ce que t'es prêt? Après j'ai quoi? J'ai une baisse avec tonton bizarre. T'es prêt, Francis? Bah, t'es prêt, Jason? Quoi? Vas-y. Allez, prêt. Attends. Mais non, mais monte à la poubelle. Je me mets sur celle-là. Ah oh, il est parti où?